ticket full access, on va voir combien ça coûte. 69$, waouh! Pour moi, c'est vraiment celui-là le meilleur parce que vous avez à la fois du premium et c'est totalement gratuit. Donc, si vous devez en sélectionner un seul, gardez celui-là. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver des slides PowerPoint, des templates totalement gratuitement sur Internet. J'ai sélectionné 11 sites et on va aller tous les tester ensemble un par un pour vous montrer si c'est vraiment du gratuit et quels sont les meilleurs sites pour que vous puissiez avoir de jolis templates gratuits. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous montrer que c'est très simple d'aller chercher des templates. Au moins là, vous saurez quels sont les meilleurs sites. Parce que vous voyez, par exemple, celui-là, il paraît très bien. Il y a un petit sourire ici. On recherche une présentation, par exemple, dans la chimie. Je vais mettre rechercher. Je vais mettre télécharger, gratuit télécharger. C'est carrément écrit gratuit télécharger. Et quand on clique dessus, qu'est-ce qui est écrit ici? Gratuit, certes, mais essayez 3 slides gratuitement. Parce qu'il y a beaucoup de slides, vous voyez. On a juste ça. Et là, qu'est-ce qu'on nous met? Time limited offer for you. Donc, une offre limitée avec un code promo. En fait, c'est tout à fait payant. Donc, faites très gaffe. Vous voyez, c'est à peu près 24$, ce qui fait à peu près 20€ pour avoir ce genre de slide, alors que vous pouvez les avoir gratuitement ailleurs. Donc là, vous en avez 3 gratuits qui ne sont pas terribles du tout en plus. Le site My Template, on supprime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a graphiste.com. Ils nous disent qu'il y a 25 templates gratuits pour PowerPoint. Donc, on va vraiment aller les tester maintenant. Qu'est-ce qu'on va aller prendre? Eh bien, on va aller prendre Vagabond, par exemple. On va cliquer dessus. Qu'est-ce que ça fait? Vagabond, Free Presentation Template, ok. Ça nous amène sur un autre site. Et qu'est-ce que ça nous fait? Donc, les slides sont très jolis, mais où est-ce qu'on peut les télécharger? Ici, tout en bas, Download, Personal Use, ok. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Quand j'ai cliqué, je suis arrivé sur ce site Shutterstock et là, il y a un fichier zip qui est en train d'être téléchargé. Donc, on va voir tout de suite après, ça m'a l'air pas mal. Alors, en effet, je viens de télécharger le fichier zip sur mon bureau. J'ai été, hop, ici, activer la modification. Et on a vraiment le fichier Vagabond qu'on peut, eh bien, ici, on peut tout changer. Scroll down, ok, ça, c'est pour nous montrer. Alors ça, la petite souris, on ne peut pas l'enlever, j'ai l'impression. Et puis, on peut aller voir, donc, avec les flèches, on a vraiment les diapositives qui étaient prévues. On en a, vous voyez en bas ici, 42. Donc, il y a vraiment de jolies choses. Donc, franchement, je suis très agréablement surpris par rapport au premier site. C'était totalement gratuit et en 2 minutes, j'avais laissé jolis slides ici. Donc, pour l'instant, le site graphiste.com/template-gratuit-powerpoint, vous voyez ici, on le garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait BDW, Dior Model PowerPoint pour les agences créatives. Ben, on va aller directement tester ça. Normalement, c'était aussi gratuit. Là, je viens de cliquer. Ça m'est arrivé sur une page, vous avez vu, hein, vous avez vu comme moi. On est arrivé sur une page et on est revenu ici. Ok, je vais essayer une présentation financière PowerPoint, Polaris. Ok, bon, est-ce que je vais pouvoir le télécharger ou pas? Là, on me montre la vidéo. Download, j'ai un fichier zip, je vais l'ouvrir et on va voir ça tout de suite. Ok, donc en le mettant sur le bureau, en mettant activer les modifications, ça fonctionne aussi. On a 114 slides gratuitement. Vous voyez ici, download and install. Alors, ils nous disent d'appliquer une police spéciale pour ce thème, sinon ça ne va pas marcher. On n'a pas le droit de le vendre. Il y a 2 types de slides. Une a un layout, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, et l'autre l'a pas pour modifier les slides par le layout Open Slide Master. Ok, on s'en fout. Et là, on peut aller voir. Bon, c'est très très simple. Hein. Introduction. Vous voyez, c'est un petit peu stylisé, mais bon, c'est très... Est-ce que ça sert à quelque chose de le télécharger, un truc comme ça? Je pense pas. Mais en tout cas, ce site-là fonctionne aussi. Donc, on en a déjà 2. Vous pouvez avoir des slides complètement gratuitement, des templates gratuits. Ensuite, on va passer sur le site showit.com/fr. Donc là, pareil, on a normalement des modèles de PowerPoint gratuits et créatifs. Alors, vous voyez ici, si vous êtes institutrice, instituteur, vous avez par exemple quelque chose pour les enfants ici qui a l'air vraiment pas mal. Comment je fais? Je vais aller cliquer dessus. On va voir si on peut le télécharger directement. Je vais mettre « j'ai compris » ici, parce que ça nous embête, pour pas dire un autre mot. Si vous recherchez d'autres fiches à imprimer de ce type pour apprendre l'anglais, non, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut le télécharger, on va avoir tout gratuit. C'est comme ça. Ouais, dans Google Slide. Télécharger, tout en bas. À chaque fois, c'est tout en bas, vous avez vu. Like us on Facebook, buy us a coffee, non. On va plutôt attendre le zip et on va essayer ça. Encore une fois, ça a l'air de fonctionner, vous voyez. Activer la modification là-haut. Alors, copyright show team, creative and free PowerPoint Google Slide Template, ok. Ça, c'est écrit que c'est une copyright, donc on peut l'utiliser, mais il faut le montrer, quoi. Ok. Là, c'est vraiment pas mal parce que ça, on peut l'imprimer, en fait. C'est plutôt pour imprimer. Mais sinon, on peut utiliser pour apprendre l'anglais à des enfants, par exemple. Donc, encore une fois, bah, c'est un site qui fonctionne. Là, ils nous disent à chaque fois, hein, allez voir à chaque fois. Document designed by Showit, created by, oui, machin, Pixabay, ok, Calibri,
les usages, c'est free, mais il faut attribuer à la personne, comme je vous disais au début. Donc ça, faites très attention à ça. Je ne vais pas vous donner des conseils juridiques, mais ça peut aller très loin du copyright. En tout cas, ce site fonctionne aussi. Le quatrième site, ça va être tout simplement Microsoft, template.office.com, template of PowerPoint, c'est assez simple. On va voir par contre si c'est aussi gratuit, je ne suis pas sûr. On va prendre le premier qui a l'air pas mal, titre de la chronologie là, avec les années 2000, obtenir Microsoft, alors ça évidemment il faut payer. Vous êtes déjà abonné? Non, moi j'ai juste Office, alors comment je fais? D'autres modèles premium, ok. Là c'est premium en fait, donc ça va être payant, on va revenir en arrière. Tout ça c'est premium où il y a le petit diamant. Alors, on va en prendre un. Il n'a pas l'air d'avoir le petit premium ici. On va voir si on peut le télécharger. Celui-là, télécharger. Ok, on va essayer ça. Et je l'ai directement. Donc, je vais l'ouvrir. On va voir ce que ça donne. Normalement, ah oui, c'est juste une espèce de poster, une espèce d'affiche. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait en fait des templates gratuits complets. Comme vous voyez ici, support de présentation. Là, c'est des affiches. Voilà, j'avais pas vu. Il faut que j'apprenne à lire. Triceratops, le dinosaure à trois cornes. Ok, graphique avec infographie. On va prendre celui-là juste pour voir si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. On va ouvrir tout ça et c'est juste deux diapos. Ok, donc sur Microsoft, il y a du gratuit, mais c'est un peu du gratuit bas de gamme. On est d'accord, sinon il faut payer. Bon, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-là maintenant, free-powerpoint-template-design.com et ça s'appelle allppt.com et c'est free, c'est vraiment free. J'ai déjà essayé, donc là, pas besoin d'essayer. C'est vraiment très joli. Vous voyez ici, vous avez 48 slides. Et c'est totalement gratuit et j'ai déjà téléchargé et ça fonctionne. Elles sont très belles, donc celui-là, je vous le conseille vraiment. Et en plus, vous avez à chaque fois des catégories. Imaginons Military, on va aller voir ça ensemble. Bah, par exemple, ici, ça va être sympa. Quelqu'un qui fait une vidéo YouTube, je dis une bêtise, sur Call of Duty, par exemple, un exposé de cours sur la Première Guerre mondiale, par exemple, ou sur la guerre d'Irak. Ça va être super cool. Celui-là, il fonctionne, c'est du sûr et certain. Ensuite, on va voir celui-là qui est Slide Hunter. Donc là, continue avec les cookies. Ok, ça, on s'en fout un peu. Free Business PowerPoint Templates. Ok. Celui-là a l'air pas mal avec les petits entonnoirs. Là, on va voir directement si c'est un gratuit ou pas. On descend. Download to create a free account. Ok, download. Il a l'air de s'être téléchargé directement aussi. Pour l'instant, on est sur que des trucs gagnants à part le premier. Donc, c'est intéressant. Par contre, ok, activer la modification. Ça me paraît un peu bizarre. Alors déjà, on va réduire ça. Ça me paraît d'être des slides de carré, c'est un peu bizarre, c'est pas des slides normales, il n'y en a que 3 en plus, ça m'a pas l'air terrible. Je vais aller sur celui-là qui a l'air joli, juste pour voir. Ok, donc il faut faire un compte, Presentation Template Provider, ok, c'est chiant. Il y a des sites qui sont mieux, on va pas se le cacher, c'est chiant. Il faut soit créer des comptes, soit on a des slides carrés, c'est nul. Slide Hunter, ça dégage. Ok, Mister Templates maintenant. Waouh, elles sont vraiment pas mal. Alors là, si c'est vraiment download for free, celui-là, je ne l'ai jamais encore testé celui-là, mais il a l'air vraiment, vraiment bien. 3496 vues avec le Coca-Cola là. Download now, ok. Ok, download for free resource, ok. Get lifetime access, ok. Donc, accéder à un accès à vie pour seulement 12$. Donc, il faut payer, quoi. C'est pas du tout gratuit. Ça me semblait vraiment bizarre que quelque chose d'aussi premium. Alors certes, ils ont l'air super beaux. Vous voyez ici, mais il faut que vous payiez à peu près 10€ quoi. Pour un accès à vie, après, voilà, c'est pas très très cher, mais nous, ce qu'on veut, c'est du gratuit aujourd'hui, donc mrtemplate.com, ça dégage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a graphicpanda.net, free PowerPoint templates, keynote templates and Google Slides themes. Ok, celui-là a l'air vraiment joli, Slideify, c'est parti. Get full access, ça va être encore... C'est maintenant ou jamais, utiliser le code NOW20, je veux dire, pour get extra, ok, donc c'est un truc payant. Get full access, on va voir combien ça coûte. 69$, waouh, ok, c'est à vie, ok, ils ont l'air magnifiques, mais on veut du gratuit. Non, donc de Slide Quest, ça dégage. Ensuite, on a slidescarnival.com, j'essaye d'avoir un accent anglais pour me la péter un peu, mais en vrai, c'est pas ouf du tout. Donc, free PowerPoint templates en Google Slides. Ça, je l'ai déjà testé aussi, il est vraiment bien. Alors, vous voyez la différence quand c'est gratuit, c'est moins joli. On est d'accord, on va pas se mentir. Mais c'est gratuit. Et il y en a quand même qui sont vraiment pas mal. Regardez celui-là, je l'aime bien. J'ai déjà utilisé pour une présentation. Et ici, vous avez alors soit vous avez un thème. Imaginons, vous faites une présentation en violet. Vous allez chercher du purple template. Et vous allez toutes les slides qui sont à peu près en purple. Voyez celle-là, par exemple. Iris. Elle est vraiment super belle. On va la télécharger. Download as PowerPoint template. Si vous n'avez pas PowerPoint, vous pouvez utiliser Google Slide
à la place, ça fonctionne aussi. Et vous pouvez ici la prévisualiser, vous voyez qu'il y en a 30 et c'est vraiment joli. On va le faire en direct. Iris téléchargé, hop, on va afficher ça, activer la modification. Et franchement, on est d'accord que ça en jette. Alors on peut pas modifier le petit personnage, etc. On peut modifier le texte, mais le fond, c'est super joli. À chaque fois, il y a des instructions for use, donc comment utiliser à chaque fois, machin. Il faut mettre Creative Commons Attribution License, etc. La photo, vous pouvez la changer. Hello. Les transitions, vous voyez ici qu'il y a une autre image comme ça. Waouh, ah ouais, c'est vraiment super joli. Ça, c'est super intéressant à utiliser dans vos présentations, les petits diagrammes comme ça, les petits tableaux, le gros chiffre, la carte, le graphique. Vous pouvez changer le graphique et tout. Ah ouais, franchement, c'est bien. Vous avez même les templates de téléphone si vous voulez mettre quelque chose à la place dans l'écran. Vous voyez, c'est écrit ici, place your screenshot here. C'est vraiment génial. Thanks, any question? Les planètes, extra graphiques, on a toutes les icônes à utiliser. Ah, même, c'est génial. Franchement, regardez, tous les diagrammes que vous pouvez utiliser, que vous pouvez, à mon avis, ils sont en vecteur, c'est-à-dire que quand vous les grossissez, vous voyez, comme je viens de le faire là, je l'ai mal fait, mais je viens de le faire quand même, il n'y a pas de pixels. C'est super intéressant. Vous pouvez le grossir à l'infini, il n'y aura pas de pixels. Donc ça, c'est tous les icônes, etc. Et encore une fois, tous les icônes que vous pouvez réutiliser. Là, c'est des icônes qu'on peut taper dans un texte. Pour moi, c'est vraiment celui-là le meilleur parce que vous avez à la fois du premium et c'est totalement gratuit. Donc, si vous devez en sélectionner un seul, gardez celui-là. On va quand même faire le dernier qui s'appelle template.pro/powerpoint. Il y a celui-là ici, gagner du temps et simplifier la création directement dès qu'on arrive. C'est intéressant de prendre un email comme ça, sûrement pour nous relancer plus tard. Ça doit sûrement être payant. Alors, il faut créer un compte gratuit, ok. 8 conseils pour réussir vos présentations PowerPoint. Alors ça, c'est plutôt un blog finalement. Les modèles PowerPoint, ok, 22 templates PowerPoint pour votre business, 16 templates PowerPoint professionnels avec des animations, pourquoi pas, on va aller voir ça. Ok, donc là, il faut s'inscrire, c'est un peu chiant. Socrane sans slide animé sur PowerPoint. Découvrir Socrane, juste pour voir. On arrive sur un autre site, donc c'est de l'affiliation, je pense. Et c'est 15$, donc c'est pas du tout gratuit. Donc ça, hop, on n'y réfléchit même pas, ça dégage. Donc vous avez graphiste.com qui sont jolis. Et gratuit. Ceux-là, ils ont l'air pas mal, mais un petit peu moins jolis sur blogduwebdesign.com. Ici, ça, pareil, ça n'a pas l'air exceptionnel, mais au moins c'est gratuit. Ici, ça sert à rien. Ici, c'est du premium, mais pas non plus exceptionnel, exceptionnel, mais c'est quand même du premium et gratuit. Et le meilleur, Slide Carnival, vous avez vu l'exemple ici, c'est vraiment hyper bien fait, hyper professionnel et totalement gratuit. C'était tout pour moi dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez comme autre vidéo sur PowerPoint. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée.